Bonjour, VOD. Ah non, c'est... Je vais pas faire ça, je vais faire VOD avec beaucoup d'écho, d'écho. VOD. Ce contenu est issu d'un partenariat entre Ubisoft et moi. Ils vont être contents quand ils vont voir mon intro. Merci beaucoup à Ubisoft de m'avoir donné la clé. On va tester Assassin's Creed Valhalla. Pas du tout, on va tester Assassin's Creed Mirage. J'ai Valhalla en tête parce que j'ai des drops à vous faire gagner et des drops de Valhalla. Il y a des drops, n'hésitez pas à refresh. Normalement, il y a des drops. J'ai refresh. Normalement, il y en a. J'ai de l'inspiration, mais je sais pas si elle est créatrice. Bien sûr, tu veux créer, même si c'est du chaos. Oui, Jilo est la meilleure, évidemment. Non, pas peine. Non, mais c'est pas ça. Non, je vous en supplie. J'ai tout raté. J'ai tout raté. Ubisoft doit me détester maintenant. Je les comprends. Normalement, j'ai des drops, mais ils mettent du temps à s'activer. J'ai l'impression, je vérifie, mais tout est connecté. J'avais eu des drops sur mes autres streams de jeux Ubisoft sans problème, donc je pense que voilà, ça va arriver. C'est censé être à partir d'aujourd'hui les drops. Je les vois pas, hein. Je les vois pas. Merci Delphine. Du coup, découverte de Assassin's Creed Mirage, un petit retour aux sources. On l'espère en tout cas, enfin moi je l'espère parce que, comme beaucoup de gens, j'ai adoré le premier. Et j'aimerais bien un peu retrouver ce côté full, je sais pas, ce côté un peu ligne droite qu'on avait en assassinat, un peu moins titanesque au niveau des... Laissez-moi parler s'il vous plaît, au niveau des décors et tout, que ce soit plus... On verra, enfin on verra. Je vais lancer, et pour les drops je sais pas. Coucou. Coucou Alex. Vous êtes vraiment des enfants. On lance, attention, intro. J'ai fait déjà franchement une super intro, je trouve. Je vais cacher. Interrogé au sujet de cette mémoire. Le chat. Eh bien, j'ai menti. Pour le moment. J'ai dit qu'elle était perdue. Peggy 18. Non, arrêtez. Mentir une mauvaise leçon. Attendez. Chut, écoutez. Mais écoutez l'histoire. Homme a eu de nombreuses vies et il a beaucoup à nous apprendre. J'espère que c'est assez fort. Certes, quand il est venu nous trouver, il n'était rien de plus qu'un banal voleur. Oh. Il s'efforçait de survivre dans les rues de Bagdad, rêvant d'un avenir meilleur. Pas seulement pour lui, mais aussi pour tous les miséreux qu'il côtoyait. Car même s'il vivait durant... En tout cas, c'est fluide. Au cœur et au sommet du califat abbasside, il suffisait de gratter un peu pour qu'apparaisse la pourriture. L'ordre des anciens s'ingéniait à s'élever et à répandre ses méthodes cruelles à tout le pays. Ceux qu'on ne voit pas, comme on nous appelait alors, s'y opposaient. Ah oui, bah c'était les premiers assassins. Les ombres, une lutte éternelle. Contre... Il y a des siècles, il était au cœur de cette lutte. Asim ibn Ishaq. Il a honoré le credo, il l'a défié, comme nous devons le faire. Tous nous courons le risque de confondre... Contre l'ordre des Templiers. ...et lumières que nous servons. Eh, premier degré, c'est la première fois de ma vie que j'entendais parler des Templiers. D'être mise à l'épreuve lors du dans le premier Assassin's Creed. Et je crains que ce moment approche. J'espère aussi qu'il y aura pas trop de moments dans la vie réelle. Le jeu vidéo, c'est pas pour voir la vie réelle. C'est pour l'oublier. Moi, je veux être que dans le passé. Dans l'Heroic Fantasy un peu, là. Ouh. Ah, c'est fini. Oh, cool. Mais je sais pas si ça peut revenir, hein. En réalité. T'as pas kiffé les pauses à la machine à café, je suis surpris. Étonnamment... Étonnamment, quand t'étais en train de vivre des trucs épiques et puis que hop, tu débarques dans le camion avec en pleine fuite et que t'es avec ton personnage et tu dis mais non, mais retournez dans le côté épique.
D'origine, c'est venu vite fait en plus. Ok. Doucement, Bassine. Bah, il y en avait dans Valhalla, hein. Et même s'il y en avait peu, c'est vrai que moi, j'étais pas fan. C'était le djinn encore. Oh. Je connais, j'ai joué à Phasmo. Notre ami cette fois. Et je connais aussi, parce que j'ai joué à The Witcher. Les eaux me dévoraient les entrailles. Il ne dit presque jamais rien, mais il laisse sa marque. Ah, s'il te dévore, mieux qu'il parle pas en même temps. Son corps courir sur ma peau. Pas très original. Tu devrais le lui dire, d'ailleurs. Oublie le djinn pour l'instant. Le jour s'est levé et nous avons du travail. Oublie le djinn, c'est toi hein, qui es trop marrant. J'ai laissé un autre contrat. Et pour qui? Encore eux. On gagnerait plus en vendant de l'eau à un dromadaire. Nihal. Hé, hey, j'ai compris la vanne. Qu'est devenu ton sens du devoir? Pardon. Le devoir ne nourrit pas son homme. Sam oh, en effet. Je vais voir le début, j'ai tout raté. Non, non. On a une minuscule intro où il a fait un cauchemar avec un djinn. Alors, pas le vêtement. Il a fait un... 3 minutes et pas un mirage. Oh, finesse. On a juste raté... Mince, mauvaise cam. On a juste raté un rêve avec un djinn, effectivement, donc Sortez le... Attends. Qui essayait de lui faire du mal. Voilà. Oh là là. De quelques bons outils. Oh, je suis trop contente de jouer à Assassin's Creed en vrai. Un génie quoi. Continue à répandre ta sagesse. Plus ce côté esprit un peu pas cool force. Voilà. Alors allons l'honorer. C'était pas c'était pas un génie qui chantait je suis ton meilleur ami, tu vois. Des bijoux sans valeur et des pièces ternies. Bah des écoute, voleur sans talent. Mais non, faut pas dire ça, Bubou, tu peux t'améliorer, tu sais. Nihal, lorsqu'elle l'a volé, que ce serait impossible. Alors, par contre... Ah mince. Par contre, la musique est cool, mais elle est trop forte, j'entends pas les dialogues. Et c'est souvent le cas hein, dans les jeux de maintenant, j'ai souvent ce problème-là. Je dois souvent baisser la musique. Pas mal. Les effets aussi. Oh, bouge des dialogues. Mais des génies, mais oui, bien sûr. Putain, mais incroyable. En vrai, vraie meilleure option. Si ça marche bien, meilleure option. Et c'est. Ah, on peut avoir un... Alors, réglage, amplitude des sons plus forts et plus ténue. Dynamique, t'en dis... Putain, c'est fou, il y a une dynamique de nuit. Non, on va mettre complète, on va mettre à fond, là. On va s'en mettre plein les oreilles, là. On veut tout. Les effets sonores, je vais mettre à... 18. 70 aussi. Pourquoi Peggy 18? Vous êtes fous? Ça a marché? Il n'y a pas proposé de valider. Oui. Mais elle n'a pas pu s'en empêcher. Ah, on entend mieux. Je me demande bien ce qui la fascine tant dans ces anciennes babioles. En plus, les doublages sont normalement assez quali. Hein. On s'en entend. Ne faisons pas attendre Dalwish. Je ne supporte plus ses remarques. Ah, je suis trop contente. Dalwish t'en a déjà confié beaucoup. Il sait qu'il peut compter sur moi. T'as lancé une VOD? Oui. Mais tu penses vraiment avoir gagné la leur? Celle de ces gens étranges? Depuis tout ce temps, j'espère, oui. C'est qui ces gens étranges? Alors, tu prends tous les risques. Mais bouscule pas une enfant. Ils ne t'offrent presque rien en retour. Ce sont des libérateurs, Nihal. Des marchands. Je connais les histoires qu'on raconte sur... On sait qu'il allait dire ce sont des libéraux. Mais le prix de la liberté devrait pouvoir nous nourrir. Oh. Attends. Faut que je suis un peu rouillée, attends. Ok. Il y avait un albatros, j'ai reconnu. Oh non, c'était pas gâchette avant? Oh non, gâchette c'est peut-être pour courir. Là on trottine. Et là gâchette je cours. T'as rien changé. C'est pas... Non mais il faut que j'arrête d'essayer de retrouver les commandes aussi de... De quand j'avais 8 ans et que je jouais au premier. Non, c'est plus vieux quand même. Coucou, Surfouille. Comment va? Oh, par contre, le boost des dialogues, c'est aussi le boost des effets sonores, des dialogues ambiants. Oh là, c'est trop. Peggy 18. Ah, j'aime pas, je me sens pas bien. Pas trop, point trop d'infos, des blabla.
À propos de ce contrat... Je lag. Pas que tu prennes mal mes paroles. Pas ma faute. Je pense avant tout à toi, Yaa Sadiki. Il n'y a aucun mal à s'opposer à nos oppresseurs comme le font ceux qu'on ne voit pas. Tu te prends pour le héros de demain. Le nouveau Gilgamesh. Oh, c'est la gouille. Non. Je ne suis que le fils d'un fonctionnaire qui a consacré sa vie au bien de la population. Et n'a récolté que le mépris et l'oubli. Mais je suis fou. Je sais pas, je pense que je puisse atteindre de tels sommets. Peut-être vais-je les viser. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais c'est ce que j'ai compris. Ça me fait penser à un acteur. Quel fou. J'ai pas son nom en tête. Il doit se passer quelque chose d'important. Le calife a été appelé au palais d'hiver. C'est sans doute. Non, non, parlez pas de Ala 2 là. Ce monde. Parlez pas de Kev Adams, j'en supplie. J'en supplie. Je l'ai pas vu. Ah mince, je me trompe à chaque fois. Please. Ala 2 n'existe pas. Escalade. Ah, j'ai fait B ça. Ah, mais ça me fait tomber en fait, B. Oh là là, mais ça aussi c'est tombé. Peut-être que ces gens sont-ils d'humeur généreuse? Pourquoi t'as l'air de vouloir les manger, espèce de folle? Un petit tour de main pour nous mettre en jambe. Si ce contrat doit nous affamer, le califat pourra nous nourrir. C'est vrai, ça? Ce marchand-là, il a laissé sa bourse sur la table. Un coup facile pour commencer. Mais justement, un coup facile, enfin... c'est pas sympa, on vole à des gens qui ont l'air encore plus pauvres que nous, ils sont moins bien habillés. Vision de l'aigle, je le fais, hein. Attention, je vous vole. Bon, mieux vaut ceci est fait. Je suis mal à l'aise de faire ça. Viens ici. Tiens-toi prêt. Je vais choisir nos cibles. Comme d'habitude. Oui, bah... Les mains agitent. Ah, c'est comme ça. C'est comme ça pour courir. C'est bon, j'ai trouvé comment courir. Oh, tu sais courir. Oh, il y a un âne. Bonjour. Hey, tu veux bien revenir ici? Non! Il y a un âne! Attends, j'ai fait un bisou. Oh! Plus important à faire? Oui! Viens ici! Non! Non, t'inquiète pas. Oh, il y a des chats! Oh! Oh, il est sur le soleil! Il y a un chat! Oh, il y a un autre chat. Oh, celui-là, il a des longs poils. Fuck, je peux pas les pet. Je peux pas les caresser. I can't pet the kitty. I can't pet the den... Comment c'est quoi? Denkin. Là. Je me rappelle plus comment on dit en LAN. Il doit transporter des objets. Je peux en caresser un? Quoi? Bah si. Non. Utilisez la vision d'aigle pour repérer les objets que vous pouvez voler. En quête d'objets de valeur. À proximité, appuyez sur Y dérobé. Puis de nouveau sur Y au bon moment pour détourner une victime sans vous faire prendre. Non, mais deux secondes! Sois béni. Mais c'est un chat, ça! Je crois que c'est un caillou. Mais moi, là, je peux pas le caresser! Comment on fait? Nico, comment on fait? Oh, c'est toi qui as fait ça? Oh. Comment on caresse, hein? J'ai peur de lui mettre un coup. Près du magasin? Ah, genre ici peut-être. Genre lui. Oh, oh, il m'a sauté dans les bras. Oh, du coup j'ai plein de puces maintenant, de partout. Va me sauter dans les bras, toi? Donne-moi de la mort. Ouais, mais toi, je peux pas te pète. Je suis déso. Oh! Un autre. La position est chelou un peu. Je veux casser Donkey. Ouais, mais je peux pas. Pourtant, en plus, il me regarde à chaque fois que je suis à côté de lui. Il attend. Bah oui, bah je sais. Oh, je sais. Regarde, écoutons.
Bon bah à défaut je caresse le chat. Bonne strat hein, de choper tous les chats de la rue dans mon gilet. Un chat, je me suis trouvé un chat. C'est vachement mieux qu'une conscience. Conscience, tu la caresses pas. Hein. Dérobé. Mais où est-ce que tu vas maintenant? Mais il y a un dromadaire. Il est tout décoré. Bon allez, j'arrête. Excusez-moi, je suis désolée. Distrait comme la brise. Oui, distrait comme la brise surtout, oui. Et juste là, près de cet étal. Putain, j'ai vu une vidéo de Pickpocket aujourd'hui. Caresse le chat, c'est un jeu, j'ai terminé le gameplay. Écoute, j'ai fait ce pourquoi je suis venue ici. Oh, y a un chat comme ça. Ils ont l'air un chouïa démoniaque quand ils sont dans mes bras quand même. Oula! Oh, c'est un garde! Ma copine, t'es où? Il y a un garde, il m'a fait peur! Ah. Tu es vraiment le roi des voleurs d'Anbar? Oui! Jalouse de moi? À peine, oh grand voleur des rues. Regarde-la dans les yeux, je t'en supplie. Viens, Derwish nous attend. Non, non, il a choisi ce qu'il voulait mater, lui. Ah, il y a un chat! Viens là! J'arrête après, promis, j'arrête, je vous promets. Ok. On va voir Dervi. Il est où Dervi? Oh, il y a des bains! Oui! C'est pour me laver de mes puces. Oh, le bain a l'air trop agréable. Non, mais je suis trop dissipée, je suis désolée. Faut faire le jeu. Bombe les gamins! Oh non. Je vais pas jouer avec des enfants dans une piscine, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Elle est où ma copine? Ah, il faut que j'aille là-bas. Désolée. Plot twist, le mirage c'est les chats et elle caresse des cailloux. Écoute, soyeux cailloux. Alors, par contre, les bruits... J'ai l'impression que les boosts des dialogues, ça a rendu les dialogues ambiants très très forts. J'ai l'impression. Bon bah je suis l'objectif. Hop là. Oh, il s'est allongé. En fait, on peut pas pet les chats qui sont allongés. Parce qu'on peut pas leur demander de venir dans nos bras parce que bah en fait un chat qui a choisi de s'allonger... Ah, on peut en fait, j'ai rien dit. Ils aiment bien se frotter à la barbe les chats. Ça va être long. Pardon, pardon. Excusez-moi, j'arrête. J'appuie, c'est ok, par contre les enfants... Mais non, mais c'est pas question de ça. C'est que j'ai un personnage masculin adulte qui ne connaît pas ses enfants. Alors oui, désolé, mais moi perso, j'ai des enfants, des neveux, des frères et sœurs. Je vois un humain adulte arriver dans la piscine. La paix, mon ami. La paix, ok. La paix, hein. Attention, hein. Il y a de l'agitation. Je me demande quelles histoires on va encore entendre aujourd'hui. Bonjour. Il y a des enfants, donc c'est de l'agitation. De belles prises aujourd'hui, Basim. Arnaud, Basim. Un succès caressage de chat. J'espère. Comment va ton genou? Je vais caresser toutes les espèces. Basim. Je l'ai bandé et laissé reposer, comme tu me l'as dit. Bien. Si tu n'en fais pas trop et laisses les choses s'améliorer chaque jour, tu te remettras parfaitement, tu verras. Ça t'est déjà arrivé? C'est pour ça que tu sais comment soigner les genoux? J'ai eu mon lot de plaies et de bosses, oui. Mais j'ai appris à les éviter. J'ai aussi un diplôme de soigneur de genoux. Vois-tu, tes sandales sont usées et elles ne peuvent s'agripper au sol. Et ce sont alors tes genoux qui en souffrent. Il faut en trouver de meilleurs. Et à ta taille. Mais c'est loin d'être facile. Putain, Basim, c'est le coach sportif de Bagdad. J'en trouverai bien une paire là-bas. Ah, de Bagdad en 800 et quelques. J'ai pas vu la date. Je m'en moque bien. C'est une affaire entre Allah et toi, Yassadik.
Vas-y, mine shape. Ah putain, c'est trop bien. Oula. Oula, 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 oula. Oula, là, ça lag. Attendez. Peut-être si je fais ça, ça lagra moins. Voilà. Voilà enfin notre paresseux. Tu m'as fait attendre. Il faut trouver de quoi se nourrir, après tout. Voilà, normalement, ça lag plus. Je vais faire la blague. Mais attends. T'inquiète pas, ça aurait été tout aussi drôle. C'est pour manger, d'accord? Et n'allez pas montrer ça au marché. Croyez-moi. Allez chez Zayda. Elle met toujours beaucoup de beurre. Ça, c'est vrai. Tu as l'air fatigué. Tout va bien? De manière générale, elle porte beaucoup de beurre. Qu'est-ce qu'il veut? C'est le framerate. Ah, malheureusement, les triple A, c'est souvent le cas. En soi, j'ai eu des problèmes avec à peu près tous les triple A que j'ai fait ces derniers temps. Sont très précieuses. Là, pour le moment, ça va. Hein, le jeu est même pas encore officiellement sorti. Il y aura un petit patch à la sortie. Je suis capable de bien. Honnêtement, on est loin de Hogwarts Legacy, par exemple. Sont présents, pour le moment. Au niveau de des bugs. Excusez-moi, je parle en même temps. L'inquiétude a grandi depuis cette époque où nous vivions à Bagdad. Mon inquiétude est la même. Je deviens simplement trop vieux pour la cacher. Ça marche, Louis. Rapporte-moi ce registre. Bisous à ton Dogo. Nous n'avons pas parlé de mon salaire. Starfield, il tourne bien, 12 FPS, c'est insane. Pas avant que tu aies réussi. Tu sais comme ils sont. Écoute, hein, il est à la hauteur du modèle qu'est Star Citizen. Ce n'est qu'un message. Merci, Louis. Et toi, tu n'es qu'un garçon de course. Nul besoin de passer par lui pour une mission pareille. Oh, mais pourquoi tu me critiques? J'ai vu avec tous les soldats qui défilaient dans le palais d'hiver. Mince, mais je trompe tout le temps. C'est des épées? Bien sûr que oui, des soldats quoi. C'est la voix de Hugo, je pense. Titre, elle met beaucoup de beurre. Non, mais c'est vrai que j'écoutais pas du coup. La plus grande beauté peut se trouver derrière une terne façade. Des gemmes inestimables peuvent se cacher derrière une roche insignifiante ou la devanture des chopes la plus modeste. Tu vois, je collectionne des merveilles et j'ai entendu dire que tu possédais une des pierres précieuses de Serendip, des émeraudes de Khorasan et des perles de l'océan bordant le Sindh. Je tiens beaucoup à acquérir ces joyaux. Ton prix sera le mien. Ouais, c'est bizarre quand... En fait, quand je suis dos, regardez. Là, je suis face au personnage, ça parle pas très fort. Là, je suis dos à eux. C'est très fort. Comme si, en fait, les oreilles du personnage se trouvent au niveau de la caméra et pas au niveau du personnage. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une chèvre, je le sais. Elle est où? Putain, elle est où, la chèvre? Oh, c'est une vache. Une vache qui fait... Ah non, il y a un mouton aussi. Je peux pas sauter. J'y vais tellement. Oui, la ferme pédagogique. Je peux pète les poules. Je peux jamais pète les poules. Oh, coucou. Bon, excusez-moi, j'ai interrompu un truc. Oh, je suis désolée, j'ai pas... Excusez-moi. Bienvenue à toi. Vas-y. Merci. Gentille, madame. Elle est toute petite là-bas. Sur toi, la ouais, j'ai interrompu un truc. Je m'en vais. Je suis désolée. Excusez-moi. Je respecte. J'aime bien les gens, ils me regardent bizarre, mais je les regarde bizarre aussi. Oh, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce que nous avons reçu au total? 16 caisses, un coffre, une demi. Arrête, Alex! Il ne restait que 3 caisses la dernière fois que j'ai consulté le registre. Laissons au transporteur jusqu'à... Moi, je suis comme je serais dans la vraie vie, j'irai caresser tous les animaux. On considérera qu'ils ont oublié leur marchandise. En me lavant les mains à chaque fois, évidemment. On garde ce qui nous plaît le plus, et on jette le reste. Qu'est-ce que c'est? Comment t'as fait craquer une branche alors que t'es sur de la pelouse? Les gardes viendront soupçonner en quinteron s'ils vous aperçoivent dans une zone interdite. Pour être moins visible, appuyez sur B pour accroupir. Pour vous accroupir dans la végétation. Appuyez sur B pour accroupir la végétation. Oui. Je suis accroupi. Ah, je peux pas bouger! Sans avoir été détecté, éliminez les ennemis avant d'entrer en conflit ouvert. Mais je vais pas l'éliminer, il fait rien. Puis sur RB.
pour assommer un ennemi avant qu'il ne vous détecte et alerte d'autres ennemis à proximité. Une minute. Oh, si on me voit, je vais devoir fuir. Oh, me porter les fringues. Heureusement que je suis plus rapide que ces gardes. Ah non, je porte lui. C'est... Regardez. Je suis camouflé, on dirait juste que c'est lui qui s'accroupit. Juste, il se déplace très vite. C'est comme si, comme porter une peau de loup ou de mouton, j'allais dire de lapin mais c'est pas très efficace, et tu te trimbales dans l'herbe et du coup on croit que t'es un loup ou un mouton. Bah là en fait on croit que tu es un garde. Je le pose où? Je le pose dans l'herbe. Hein. Tiens. Ah, je voulais faire ça doucement en vrai. Attends, faut que je quoi? Faut que je vole le registre. Merde! Non! Siffle pas! J'ai pas demandé d'appeler les bonnes là, t'es fou? Oh, il y a plein d'endroits. Et des hautes herbes. Tant que je tombe pas sur un ratata, ça passe. Il met discrètement les adversaires les uns après l'un après l'autre. Ok, sifflement. Ok, je me mets là. Coquinette, où es-tu? Oh merde, y'en a un qui vient là. Il me dit que je pue tellement. Collecté. Oh, j'ai collecté. Bon. Ah oh non, ça c'est un... Ouais, mais est-ce que les simples habitants peuvent... peuvent lancer l'alerte? Peut-être. Hein. Oh, je lui ai assommé le cul. Assommage de derche. Hop, là, je le cache là. Bien caché. Ça fait un mal, un coup dans le cul. Y'a d'autres trucs à voler. Non, siffle pas! Arrête, je t'en supplie! Y'a d'autres trucs à voler. Verrouillé. Ah. J'ai retard. En même temps, c'est logique. T'as déjà joué à Hitman un tout petit peu à une démo? C'est catastrophique. Je suis vraiment nul. Je suis vraiment nul. Ah putain! Ne faites pas attention, madame, je cueille une fleur. Ah mais vraiment le coup dans le cul? Moi ça me fait... Je sais pas, ça me fait quelque chose. Ne vous inquiétez pas, monsieur, c'est un pote, il... Me cache. Attendez, il y avait un coffre ici. Il était ici. Oh punaise, mais y a quelqu'un devant. Sous prétexte qu'on a un trésor, faut le garder. Un peu basique comme concept, mais ok. Simple. Basim. Ah, il y a une dame. Truc normal, t'es. Tu vois quelqu'un sortir des herbes, te voir et partir en courant. Je vais passer là. C'est le princesse! Ça dépend de l'épaisseur du cul. Oh, arrêtez avec mes six. Je te sens un peu en tension depuis que t'as arrêté de caresser des chats. C'est vrai, hein. C'est réel, hein. Je me sens aussi en tension. J'ai pas pu caresser d'autres bestioles, ça m'a rendu... Surtout l'âne! Alors l'âne! Ma chafouine. Qu'est-ce que je fais là-haut, moi? Qu'est-ce que je fais là? Je vais aller nulle part depuis ici. Pourquoi j'ai fait ça? Par où je peux passer? Ah, mais là! Là, c'est une porte que je peux passer. Mais je pouvais pas l'ouvrir. Putain, les barricades. Puis-je peut-être, éventuellement, possiblement, faire ceci. Puis ceci. Puis ceci. Genre là, tu peux monter. Non? Non! Ah voilà, je préfère.
essoufflé, mon grand. Je te trouve un petit peu facilement essoufflé, hein. Bon, il fait chaud. Il fait chaud. Non, mais arrêtez de parler de points en rapport avec... avec des rectums. C'est pas le moment. On joue Assassin's Creed. D'accord ? On n'est pas sur Super Séduceur. Assommage de fou. Tu m'étonnes que ça assomme. Ça assomme bien. Hein. Je suis pas sûre que ce soit non létal comme technique quand même. Je vais le porter, je vais le mettre dedans. Voilà, je te mets à l'ombre. Je suis gentille. À l'ombre de cette paille. Oh, les trésors. Tu peux me désaccroupir? Oui. Assassin's Creed, il y a As. Ah, mais aussi Sinsk. Creed. Ah, et du coup, ici... Oh là là! Je crie beaucoup trop fort. C'est pas du tout une menace, en vrai. Manger? Oh, il y a des trucs à bouffer. Tu veux bien te relever? Ah voilà, ça me stresse là quand il marche comme... je sais pas. Un peu comme une goule. Est-ce que j'ai chopé la clé? Je l'ai pas chopé la clé moi encore. Attendez. Non mais... Arrête de siffler des gens. Ah ça je peux l'enlever aussi. Non j'ai pas tout chopé. Ah bah attendez, il y avait un truc à faire là-bas. Ça je l'enlève. Ceci je l'enlève. Oh je peux pas le jeter par la fenêtre. J'ai senti en disant à haute voix que c'était peut-être logique de pas pouvoir faire ça. Ah, c'est une cachette! Il est malin. Il va se faire catnapper par Lox. Je catnappe pas les chats, moi! Je les caresse. Mais j'ai pas ce qu'il me faut encore, hein. Je crois. Il y a un trésor là-bas. Ok, on va passer par là. Monte. Hop, et là tu sautes. Oh, ouah, le saut. Ça m'impressionne, vas-y. It's okay. Don't panic. En dessous, wham. Descends. Oui, ça saccade un peu. Mais je pense que c'est des soucis d'optimisation. Je pense qu'on aura un patch pour corriger ça demain. Bon bah l'avantage c'est que maintenant je peux me promener tranquille mais j'ai pas trouvé la porte. Basim Fint. Je peux pas rentrer. Il y a une porte là. Oh attends. Il y a de la thune là. Basim, calme-toi. Arrête de t'accrocher partout. Tout va bien. Je te sens tendu, Basim. Voilà, on n'est pas obligé de s'énerver. Là, on marche tranquille. Est-ce qu'on a eu la clé? Oui. Voilà, tout simplement. Là. C'est sûrement ce que je recherche. Sûrement ce que tu recherches. Oui, mais d'abord le coffre. J'aimerais bien que dans Assassin's Creed, il y ait une sorte de morale un petit peu à la fable.
Quand on vole, on est moins sympa, mais on est plus riche. Comme dans... dans la vraie vie, un peu. Je me demande quel secret renferme ce registre. J'arriverai peut-être à tirer de ce vieux grognon de Delwish quelques informations sur ce contrat. Ok. Bon bah c'est bon, j'ai tout fouillé là. Il y a un garde là-bas. Ah non. Oh non, on va aller là-haut quand même. Maintenant qu'on a un peu libéré l'espace, c'est dommage de pas en profiter. Bonsoir Moussa. Pour les soucis d'optimisation, malheureusement, c'est tous les triple A maintenant, quoi. Je sais que souvent, quand c'est Bethesda, on dit « Ah, les jeux de Bethesda », quand c'est Ubisoft, on dit « Ah, les jeux d'Ubisoft », quand c'est CD Projekt, on dit « Ah, les jeux de CD Projekt », mais en fait, c'est vraiment, hein, c'est tous, hein. Oh, je voulais qu'il tombe. C'est comme ça. Il est tombé, il a saigné, je crois, un peu, non? Non, il est tranquille. Franchement, il est tranquille. Ah, mais je te garantis, Alex, hein. Je te garantis que pour tester tous les jeux de tous les éditeurs et développeurs, je te garantis que non. Vraiment. Je te garantis que c'est... Typiquement, voilà, j'en ai parlé, mais Hogwarts Legacy, quand il est sorti, mais c'était au niveau des lags et tout, c'était terrible, hein. Mais les gens, ils étaient contents d'avoir leur jeu Harry Potter, alors ça râlait moins là-dessus. Mais vraiment, ça n'avait rien à voir, hein. Ah ! Il y a des méchants ! Mais je sais pas par où je dois passer. Je sais pas par où est la porte. Elle a l'air là-bas. Vas-y. Non, c'est bon. Je suis caché. J'ai pas... En fait, j'ai pas trouvé le méchant. J'ai pas vu où il était. Mais je pouvais passer par là. Mais je suis stupide. Je pouvais passer par là. Quel problème, tu as encore des exercices sur PC perso? Ah bah moi, j'en ai eu plein. Hein. Mais ça, c'est... Tu l'as fait day one ou pas? Day one, j'en ai eu plein, et au bout de 2-3 patchs, ça allait vachement mieux. Mais j'avais même des crashs et tout. Et du coup, ouais, au bout d'une semaine, ils ont réagi assez vite, hein. Au bout d'une semaine, il y avait quasiment plus de soucis, en tout cas majeurs. Juste des fois des petites chutes de FPS, comme souvent. Day one, pas sûr. Ah ouais, mais je parle day one, évidemment. J'ai dit à leur sortie, c'est pas pour rien. Non, non, vraiment, Day One, c'est tous les jeux, vraiment. Tous les triple A. Notamment sur PC, d'ailleurs. Hein. Je me fous un peu. Bethesda, c'est pire, et s'il corrige rien. Je sais pas, alors... C'est vrai que y a des bugs... Il y a des bugs qui sont restés, mais... Ouais, c'est vrai qu'il y en a plein qui me disent « Oh, Starfield, avec les mods, ce sera bien. » Et je me dis « Mais attends, c'est dommage de devoir y jouer avec des mods. » Mais après, bon. J'imagine que sur console, c'est toujours mieux. C'est toujours... en général, maintenant, sur console, il y a beaucoup moins de problèmes comme ça. Mais bon, voilà quoi, j'avoue que maintenant, quand je vois juste que le jeu... Alors qu'il sort en fait officiellement demain, Assassin's Creed, hein, donc il aura un patch sûrement le jour de sa sortie. Bah, quand je vois qu'il y a des chutes de FPS, des lags, mais bon, que à part ça, c'est jouable et que c'est pas tout le temps, et que ça crache pas, bah, je me dis, bon, bah, c'est pas mal finalement. Parce que vraiment, avant, je faisais pas trop de triple A Day One, maintenant j'en fais plus, j'ai plus l'opportunité d'en faire. Bah, en fait, malheureusement, c'est...
j'ai pu aussi du coup comparer quoi. Et en ce moment c'est toujours galère en day one, un gros jeu ambitieux. Bon bah c'est bon, j'ai tout récupéré. Oh, il y a un gamin, j'ai failli te faire tomber toi. Par contre la gamine elle était pas là je crois. Pardon enfant. Ah. Avoir des yeux en ville nous serait utile. Je vais voir ce que je peux faire. Elle a l'air importante. Tu devrais demander plus d'argent. Chut. Bah, Basim, tu tombes à pic. L'as-tu obtenu? Oui, et sans trop d'efforts. Donne-le-moi. Tu es pas la voix d'entre eux. Donne-le-moi. Elle a le cosplay. Voilà. Apparemment, cela a été livré ce matin. C'est bien le coffre que vous cherchez? J'en suis certaine. Payez le garçon. Pour voler quelque chose, je suis là. Deloui, je peux le confirmer. Il m'a confié tous vos contrats. Ça fait un peu boulet le gars quand même. Je peux faire bien plus. Cette tâche a coûté la vie à deux de mes meilleurs hommes. Je doute qu'un voleur des rues puisse faire mieux. Alors engage-moi. Tu as deux postes vacants. Je mérite la moitié pour cette insulte. Merci, Deloïche. Écoute, Basim, si tu veux continuer à travailler pour moi, reste à ta place et tiens ta langue. Je sens qu'il va pas rester à sa place. Et qu'il va pas tenir sa langue, mais c'est parce que c'est un coquin. Pourquoi? Pardon, excuse-moi. Comme quoi? Comme un mendiant, désireux à tout prix de se faire remarquer. À tout prix? Je sais ce que je fais, Nihal. J'ai du talent. Je serais vraiment un atout pour cette femme. Mais elle ne veut pas de toi, cette femme. Tu es un voleur des rues aux pieds sales. Pourquoi t'entêter? Pourquoi vouloir suivre cette voie? Parce que rester un voleur des rues n'est pas la plus grande de mes ambitions. Je vaux plus que ça. Je ne suis pas qu'une paire de mains qui vole des bourses. Mais ça, il n'arrive pas encore à le voir. C'est raté, Jassib. Ah, c'est lui que j'ai failli shooter tout à l'heure. C'est quoi, ça? C'est ma dernière création. Elle m'aide à me débarrasser des marchands qui me voient. J'ai vraiment piqué l'inspire d'un gamin. Tout ça. Quelle chance alors d'y avoir échappé. Tu sens fort. Où as-tu traîné? On a pêché sur le port toute la matinée. Mais on n'a rien attrapé. Bah, lance-pierre, c'est pas un outil de pêche. Est-ce que tu as entendu parler d'un coffre, par hasard? Ah oui, un coffre noir. Vraiment très beau. Des gardes l'ont pris pour la porter au palais. Shukran lakaya, Jassim. C'est marrant, il court, mais un peu lentement. Genre comme si c'était du... Je vais le leur apporter. Petit jogging, quoi. Ils verront de quoi je suis capable. Tu as la tête aussi dure qu'une pierre. Alors nous allons le faire ensemble. Non, c'est pas vrai. Si je suis pas comme ça. Au palais d'hiver, on te tuera sur le champ. Il nous faut un moyen d'entrer. Et je crois avoir une petite idée. Manifestation enfin, pour les bugs si de jeu. J'accepte de me laisser diriger pour une fois. Bah ça après, là, voilà, j'ai bien vu, j'ai suivi un petit peu le débat qu'il y avait sur le chat et tout. En même temps, il y a aussi deux trucs, c'est qu'il y a le fait que des jeux soient buggés. Alors il y a le fait que des versions PC soient plus buggées que les versions consoles. Ça arrive souvent aussi. Mais en soi, des jeux buggés à leur sortie, c'est... On va dire que moi, je l'accepte à partir du moment où c'est vite corrigé. Le problème, c'est que... Moi, ce qui m'énerve, c'est quand tu sais qu'en tant que PCiste, tu vas avoir des bugs que sur console, tu n'auras pas. Ça, j'avoue que ça me saoule, en fait. Parce que tu investis dans un bon PC, au final, bah... T'as les jeux qui tournent moins bien que sur une PS5. Je vais venir avec toi et te harceler jusqu'à ce que tu abandonnes l'idée folle de voler un coffre. Un coffre au palais. Au palais d'hiver du calife. T'entendre le dire ainsi me donne plus envie encore. Bon, on y va ou pas?
Oui. Je te suis. Pour moi, c'est encore un peu le tuto. On n'a pas encore eu le titre. D'ailleurs, si tu réussissais... S'il y a bugué le jeu ? Non, il y a juste des chutes de FPS. Moi, je disais que franchement... Bien sûr que non. Ça, c'était souvent classique alors qu'on est à une... On est à J-1 de la sortie du jeu, de la sortie officielle du jeu. Mais pour le moment, à part ça, non, il n'y a pas de bug. Et après, bah, ce qu'on appelle bug, il y a des trucs. Est-ce que quand t'as un personnage qui... J'ai envie de suivre quand même ce qu'il dit, excusez-moi. Et à ce qu'aucun enfant n'ait plus jamais à s'inquiéter du lendemain. Des bugs dans des open world, il y en avait avant aussi. Après, on va dire que ça dépend si on parle des bugs qui rendent le jeu désagréable, genre des freezes, genre des crashs, genre ton personnage qui se softlock, des trucs comme ça. Ou alors des bugs genre un PNJ qui fait un peu n'importe quoi, ou des trucs dans le genre. Moi, j'avoue que quand un PNJ pète un câble parce qu'il y a un bug, ça me fait souvent plus rire et je considère que c'est pas dérangeant. Softlocks. Bah après, moi voilà, je sais pas, enfin, je sais pas trop comment ça se passe au niveau des services après-vente, j'avoue, Buisson Delphine. Mais bon, disons que tout, voilà, un open world ambitieux, c'est souvent qu'il y a des bugs. Et tant que ça reste, tant que c'est réparé tôt et que c'est jouable à la sortie, moi ça va. Et streamable, parce que pour moi maintenant c'est important que le jeu soit streamable, bah ça va. Je trouve que non, ça va pas entacher mon expérience de jeu. Si après là d'un coup j'ai plein de freeze, que ça crache, ce sera autre chose évidemment. Attendons la nuit. Tant que c'est juste quelques chutes de FPS, bah ça va, hein, je le vivrai bien. Spoil pas. Cela n'éveille-t-il pas en toi d'agréables souvenirs ? Agréable, oui. Il n'y a pas si longtemps, nous comptions notre butin ici. Non, on veut pas qu'un chat meure, non ! Arrêtez ! Salut Catholice, du coup, et salut Cocotte. La récompense moins grande aussi. Eh bien, avant d'aller la réclamer, cette récompense, il va te falloir la mériter. Et à ce que je vois, il faudra être ingénieux. On peut toujours essayer par la grande porte. C'est ça. N'oublie pas de me dire si ça a marché. Où est-ce que tu vas ? Je viens d'avoir une bonne idée. Si ce n'est pas ton cas, tu devrais peut-être suivre la mienne. Attends ! Il va clairement, effectivement, se faire rabattre son caquet. Hein. Je trouve qu'il est beaucoup trop beau parleur, il est beaucoup trop léger dans tout ce qui, dans tout ce qui concerne et tout. Effectivement, comme d'hab, le perso subit un événement traumatisant. Ça va être ça. Mais je pense que ça fera pas de mal, quoi. Ceux qui ne voient pas ont besoin... Ceux qui ne voient pas ont besoin qu'un coffre soit scellé. Jasib a vu des gardes l'apporter au parler d'hiver. On ignore ce qu'il contient, mais si le calife est mêlé à cette affaire, le risque est justifié. Merci pour le follow, noisette. C'est mignon, ça. Néal sait comment entrer dans le palais, mais il existe peut-être d'autres moyens de se faufiler dans ce lieu étroitement gardé. Les moyens... de vous infiltrer dans le palais. Cherchez des moyens de vous infiltrer dans le palais. Franchement, porter un garde sur mon dos pour faire genre... je suis lui et je me fonds dans le décor comme ça, ça me semblait bien. Mais je sais pas. Bonsoir, Noisette. Non. Oula, il me fait peur, il est allé tout seul sur la barrière, je voulais pas, j'ai eu peur. Ouais, mais au début, bah, ça lag aussi pas mal parce que j'ai pas mal de trucs ouverts sur mon PC. On passe ça. Et je sais que sur les jeux ambitieux, faut que je fasse un peu gaffe et faut que j'essaye de pas ouvrir 1000 trucs. Comment je m'accroupis ? J'ai oublié ! Nihal ! J'entends rien. Mais le son ? C'est une bonne idée. Je sais que tu as horreur d'être seul. On n'aura pas de snap caméra, ça veut dire... Oui, je préfère le fermer aussi, oui. Bah, ça fait laguer, hein. C'est pas... Snap caméra, c'est pas le truc le plus fluide qui soit. Donc malheureusement, non, il n'y aura pas de snap caméra. Ah ! Ah non, c'est quelqu'un. Et ensuite, de l'agneau rôti et farci. Oh, oui.
Attends, je passe par où moi? Ok. Chercher une autre entrée. Je vois des gardes là-bas. Ah, c'est marrant, ils ont fait leur petit coin de pause caché. C'est rigolo, non? Je sais pas, je trouve ça rigolo. Ça passe là-dedans. Elle est où ma mate? Elle est où ma mate? Elle est partie où? Elle est là. J'aime bien comment les serviteurs, ils nous poucavent pas du tout. Avance, alors qu'on nique les fleurs. Chut. Comme si ça dérangeait d'être... Pardon. Que je sois en... Bah, je plaisante, ça va. Je sais même pas si ça se trouve, ils sont frères et sœurs, j'en sais rien. Le nombre de tics dans les buissons. Oh, des tics là-dedans? Oh, peut-être, je sais pas. C'était quoi un tic, ça? Non, moi, je pense pas, hein. Je pense que c'est d'autres types de plantes. Non, vous savez, ça doit être le genre de plantes qui laissent plein de trucs sur vos vêtements, là. Et après, vous ramenez chez vous. Celui-là, non. J'essaye, je fais ce que je peux. Les décors, j'aime bien par contre. Ça donne envie de refaire un décor comme ça sur Planet Zoo. T'as un problème à peindre des épaules. Ça marche à tous les coups. Je ne sais pas combien de fois elle m'a sauvé. Tu as vu les invités? Quelles étranges tenues. Mais tais-toi donc, tu ne fais qu'attirer. Je sais pas qui a cette voix là, celui qui dit tu as vu les invités, mais on l'entend très souvent dans les jeux. On entend souvent ce comédien. Ça me fait, il y a une petite vibe. Cette porte pourrait nous permettre d'entrer. A Plague Tale, je sais pas pourquoi. Disposer d'une clé. A Plague Tale Requiem. Cherche dans les alentours. Avant, je vérifie. C'est des fois, hein. Tu... Bon, non, j'ai vérifié juste par un peu de réflexe. Ok. Oh, attendez, je peux faire quoi avec ça? Ah, mais c'est de la bouffe, non? C'est trop marrant qu'on puisse piquer de la bouffe au pif comme ça. Ah, mais c'est ça! C'est lui qui a la clé. Oh. Je peux passer par là. Non, non, mais calme-toi. Voilà, nickel. Oui. Oh, j'ai un dé, quoi. Je leur vole littéralement leur Uno, gars. Oui, bon, c'est pas avec des dés, mais je trouvais ça aussi ridicule, bref. Je sais, hein. Je sais, j'ai joué Uno, hein. Moi aussi, j'ai déjà eu perm dans ma vie. Hein. J'ai eu des heures de perm à combler. Que bon. Seul contexte au monde dans lequel tu joues Uno, quoi. Dans lequel tu apprécies d'y jouer. Ça va être chaud? Hey! Non! C'est pas vrai! Non! C'est trop pas vrai! Nickel! Je sais plus comment courir. Ah, comme ça. Régénération de santé. Mais t'inquiète, je vais bouffer. Ah, je peux pas me cacher dedans, ça marche pas. Oui,
Je suis totalement un pleutre. Mais j'arrive pas à le faire courir. Chien sans échine. Chien sans échine. Chien sans échine. Ah, j'ai plus d'endu. Putain, mais non, à chaque fois que je m'en vais quelque part, il y a d'autres gardes. J'arrive pas à le faire sauter. Il veut pas. Tu m'aides trop pas, vas-y. Caché. Mes parents jouent Uno contre leur pote pour savoir qui fait la bouffe le week-end. Vous voyez, c'est toujours lié à un truc négatif, le Uno. Bon poney, Alex Wurrow. Bisous. Non mais je peux m'enfuir normalement. État anonyme, voilà, faut que je passe en état anonyme. Bisous. On va sûrement bouffer un truc là. Ouais. On me régène. Parce que je bouffe tout, l'intégralité du truc. Ah ! Reste là. Te voilà. Il est sorti tout de suite, je le déteste. Re-Louis. Ah ! Mais je sors sans le vouloir. Mais putain, j'en arrive pas. Allez, cours, s'il te plaît. Non, c'est pas courir ça, ça c'est glisser. Ouais, ouais, appelle tes renforts, t'as raison. Vous êtes pas assez déjà. Ah, j'avoue que là, par contre, c'est pas fluide. Hein. Non ! J'aimerais bien juste pouvoir repartir de début. Restez calme. Ah, ils sortent automatiquement quand ils m'ont vu entrer dedans. Non, moi je préfère attendre la mort, mais sans la voir venir, tu vois. Dans ma cachette. Bon, fallait que je trouve une clé, moi, à la base. Mais je suis dans la merde, en vrai. Il y avait trois gardes. Je vais pas pouvoir faire ça discrètement, il y a trois gardes. Et je suis seule. Enfin non, je suis qu'avec quelqu'un, mais qui ne m'aide pas. Oh, par contre, ça, j'aime bien. Eh, je m'en suis sortie, hein. Non, arrête. Il fait rien que siffler. Oh putain, il y a un garde juste là, en plus. Eh, mais celui-là, je peux me le faire. Chut, c'est bien mieux comme ça. Je lui ai laté son fiac. Mettre ça ici. En vrai, se déplacer à Groubi, c'est trop fatigant. Voilà. Je vous le dis. Thank you.
Bon, là, il y a des mecs. Il y a quelqu'un ? Il fallait que je récupère une clé, hein. Mais mais en fait, je sais plus où c'était. Si, ça doit être sur cette personne, c'est pour ça que je la vois de loin. Ouais, c'est lui qui est suivi de deux de ses gardes. Ça doit être ça. Ça va être chaud ? Ah, il était seul, t'es sûr ? Non, je pense pas qu'il était seul, le PNJ avec les clés. C'est juste qu'on le voyait en surveillance que lui, non ? Il y a des méchants ici. Ça a l'air d'être clean. Et franchement, je descends. Ok, j'ai retrouvé ma mate. On sait bien. Le PNJ. Il est plus là. C'est moins bien. Il y a un garde là-bas. Mais c'est pas lui. Un garde ici. Je peux pas aller dedans. Je t'avise pas de gémir. Il faut vite que je le déplace. Allez, porte-le, je t'en supplie. Qu'est-ce qu'on vous donne à manger ? Chut, arrête de parler, enfin ! Un thé ! Comment tu vas-tu ? Comment tu te sens ? Lui aussi, j'aime le pas. On attend qu'il passe. Au moins, je serai tranquille. Oui, mais j'en ai vu un avec une clé. Mais c'était pas lui qui était suivi par deux gardes ? Qui aurait été logique un peu. Merci à Louis, t'es trop bien. Hey, saigne, Charles. Je demande de l'aide. Ah ! Il me suis fait avoir, merci beaucoup. Te voilà! Putain, il m'a vu! Un mouton de grec! On sent un mouton de grec? Quel type d'insulte ça? Insulte. Ethnico-spéciste? Bah bravo. Je cours, j'arrive! Tu feras gaffe, tu suivis! Ah! Oh. Lac de fou. Nickel. M'ont pas vu, c'est bon, m'ont pas vu. Nico, spéciste. Pour voir pour ta modo. Ah, finesse. Comment ça va, Anté ? Il faut que j'aille de là-bas à la moutbac. Oui, le jeu est joli. Effectivement, il est pas très fluide, mais ça, je pense que ce sera réparé rapidement. C'est juste que là, forcément, on y joue très tôt. Et là, on essaye de voler un truc qui est enfermé dans une pièce où il nous faut une clé. C'est un vol assez ambitieux, ça va être, je pense, comme on disait, ça va être un petit peu là que l'histoire va se déclencher. Pourquoi on a mis Pour quelques pièces, les marchands, on les protégerait. Et on est dans une zone bah voilà, où il y a beaucoup beaucoup de monde. Donc voilà. Il faut que je vole une clé. Est-ce qu'il y a moyen de rendre le jeu un peu plus fluide ? J'aimerais bien. Est-ce que... Bon, je verrai après. Je verrai après, je verrai à la fin de la VOD avant d'en lancer une. J'essaierai de voir si je peux baisser un paramètre ou deux pour rendre le jeu plus fluide. Ce serait pas mal. Voilà, faut que j'aille là-bas. Et c'est lui qui a la clé. Regardez. Ah non, c'est peut-être juste une bourse qu'on voit accrochée à lui. Ah non, il est là-bas, celui qui a la clé. Ouais, mais lui, je vais me le faire quand même. Il m'a saoulé, là.
m'a saoulé. T'es arrêté jusqu'à quand t'es? Oh punaise, il vient pas. Ah si. Ouais, la spécialisation du son, elle est chelou. Quand je me mets dos au personnage, j'entends plus fort que quand je suis face à eux. Une petite sieste. Chut. Mais pas trop courte. Contrairement à ta... Pardon, j'ai 8 ans, hein. Il est où, monsieur Clé? Il est pas là! T'as réussi à écourter le contrat? Comment ça? J'ai pas compris. Il est là-haut, hein. C'est lui? Ben non, il a pas de symbole de clé, lui. Mais il est où? Il est où, monsieur Clé? Je vois plus. Je vois étalon, là, je vois plus. Il avait clairement un symbole de clé au-dessus de lui. Ou à côté de lui. Ah, je crois que tu parlais de moi. Je comprenais pas. Ah oui. Oui, oui, tout à fait, pardon. Je croyais que c'était quelqu'un. Oh, j'ai peu fly. J'ai flippé. Ouais, ça va. C'est compliqué de faire là. J'arrive pas à passer. Voilà. Oh, lire. J'aime bien comment je lis. Le calife a été appelé pour une réunion importante. J'ignore tous les détails, mais je dois veiller à ce que le palais dispose de suffisamment de personnel et à ce rythme des patrouilles soit accru. Il faut doubler la présence sur les toits et placer 2 gardes à chacune des pièces qui traverseront le calife et les visiteurs. Toutes les entrées doivent être protégées. Ouais, on a compris, quoi. Merde. Il faut que je descende. Vas-y, je pense que je peux me faire. C'est rien, les filles, continuez à vous baigner dans une fontaine. Habillée. Oui, je fais nuit. Oh, oui. Je te plais jusque-là? Oui, ça va, ouais. Ouais, clairement. J'ai hâte que l'histoire commence vraiment. Pour le moment... Oh, c'est ça la clé? Non, c'est une bourse. Dérobée. Et puis je l'assomme. Je l'assommais, mais ça fait quand même ça gerbait du sang de partout, quoi. Je le cache à la lumière. Non, mais comme ça, ils penseront qu'il dorme. Qu'il dort. Voilà. Du coup, je vais aller là-haut, moi. Mais comment j'y vais? Y a-t-il des escaliers? Oui, je les ai pris, mais que en courant dans la panique. J'aimerais que la caméra soit un chouïa reculé du perso. Mais j'ai souvent ce problème maintenant que mon écran est plus proche de moi. Je me sens trop proche des personnages. J'aimerais mettre une distance entre nous. Ok, je vais pas par là. Salut! Ok, maintenant j'arrive à croupir. Oh, franchement, je le laisse.
Je vais le cacher nulle part, de toute façon. Je vais le cacher à la lumière encore. Faut que je monte, là. Faut que je trouve un escalier. Ah bah voilà. C'est de le dire. Par Dieu, qu'il se passe quelque chose. Un chat dans un arbre. N'importe quoi. Un chat dans un arbre. Y'a pas que moi, hein, qui a envie de péter tous les kitties du... tous les kitties de Bagdad, hein. Pas ma faute, hein. Je pense parfois à la vieillesse. Rien ? Pour faire rien ? C'est ce que tu fais, là, hein ? Tu sais, ce n'est pas ça, Jad, qui a... C'est moi. Mais Aspie, c'est... Excusez. Les lanceurs de feu dont parlait Wael, ils existent. Non, non, c'était pour plaisanter, enfin. Et si je passe par là, par contre? Quoi? Nickel. Ça ne sera pas long. J'ai pas réussi à le tuer. Donne-moi ton épée. Ah! Je peux pas mettre de coups. Je me cache. Je me cache, j'ai dit. C'est un méchant, lui. Oh merde! Je pensais pas, hein. Attendez. Chut, discrétion. C'est bon, ça se passe bien. Non, mais je mets trop de temps, là. Oh là là, ça m'agace. Je le fais par pur instinct de prédateur, là. Là, je les tue juste parce qu'il faut que je tue. Et je dois aller où? Ça rend ouf! La voix du héros est belle, par contre, oui. J'aime bien aussi. Il est où le mec à la clé? Je pète un câble. Il apparaît même plus! Je suis trop loin de tout le monde là, je crois. Mais là, il y a un mec qui a une bourse. Yeah! Je n'avancerai pas dans le jeu avant de les avoir tous tués. Je les tue pas, je les assomme de manière totalement non létale, enfin. Alors, je dois aller où? Non, la carte me dira pas. Monsieur de la clé. Oh, il y a un coffre là-bas. Attendez, on y va. On y va, on y va, on y va. Ah! Non, mais il va maintenant, enfin. Non, Rodi, il se passe rien. Ah, ça me plaît, ça. Ah! Pitoyeur. Ah! Je peux pas esquiver, j'ai pas encore appris à me battre! J'arrive pas à te désaccroupir! Restez pas toi, ça va debout, s'il te plaît! Debout! Merci. C'est bon, je suis tranquille. Tranquille, tranquille. Avec moi! Il ne doit pas filer derrière toi! Allez! Me dis trop tard! Entendu! Me dis nul! Nulle part où te cacher! Tu entends ça, le mort en sursis? Ah, j'ai déjà la clé, c'est ça? Ah, j'ai déjà la clé? Vraiment? D'être sûr? Tu as de la chance! Ah, c'est pour ça que je la vois ça plus! Ne dure pas. Mais je sais pas!
Ils ont tous les mêmes vêtements. Bon, maintenant que j'ai commencé à les buter, enfin à les assommer de manière non létale. Tellement t'assommer de manière non létale, toi. De face! On lit l'objectif. S'infiltrer dans le palais. Oui, non, mais j'ai déjà dû. En fait, l'objectif, c'est le même depuis tout à l'heure. Il me faut que j'ai une clé. Je pose là. Bon, maintenant qu'on est parti et qu'on a bien quasiment tout volé, on va essayer de tout fouiller totalement, hein. Et c'est pour ça que je trouve plus la clé, ça explique, hein. Ça explique pas mal de choses. Vous savez quoi? Ça explique pas mal de choses. Mais je pense que là, par contre, j'ai volé à peu près tous les coffres importants. Je pense. 16... Tu de FPS, please. Au-dessus de moi, peut-être? Non, hein. Il y a des coffres en doré qui apparaissent. Ok, c'est ça. Ça, c'est en sac. Pâte de lièvre. Quand il n'y a plus rien à voler, on fait ce qu'on peut. Eh oh! Il y avait écrit l'un des gardes à la clé. Ah, d'accord. Coucou, Willy! Qu'est-ce qu'il raconte de vol, Willy? Oh, lui, je me le fais. Oh, et puis il y a plein de trucs à looter. Ah merde! Depuis quand je fais du bruit quand je loot? Non mais sors pas ton arc, on est au cac, enfin! C'est élémentaire, s'il te plaît quoi, un effort. Je peux récolter quelque chose? Non, c'est bon. Tout va bien. Bon allez, je descends. En vrai, c'est juste que je me dirigeais vers l'escalier. Ça marche à tous les coups. Flèche m'a touché là. C'était superficiel, mais ça a laissé une belle cicatrice, comme tu l'as vu. Oh, bébou. Un pouce de plus à gauche ou à droite et... Oui. Non, non, j'ai pas de la vie limitée, en vrai. C'est juste qu'à chaque fois... Ah oui, vous la voyez pas, pardon. Je vais foutre ma cam ailleurs. Voilà. C'est juste que à chaque fois que je bouffe, je la récupère. Et vu que je passe mon temps à bouffer, genre là... oui, j'ai trouvé. Eh, c'était dur. J'ai mis du temps un peu. C'est bon, on a la cinématique. Il a l'air préoccupé. Il faut dire, avec un fils aussi turbulent. C'est toi la turbulence. Il est jeune, c'est normal. C'est son premier séjour au palais, non? C'est le coming grand, merci. Répondre à ses besoins. Cette réunion devrait être brève. Qui m'a touché la main? Voilà. Bien. Bon, il va se passer un truc là. C'est maintenant qu'il se passe un truc de ouf, non? Ah, mais c'est sa copine qui va mourir. Il vous attend. Ah, Basim, c'est sûr. C'est sûr, s'il y a la mort d'un personnage important, ce sera elle. Ils sont arrivés, Maolé. Dehors, tous. Je dois les rencontrer seul. Père, laisse-moi rester. Emmenez-le. Il a l'air lourd. On ne réussira jamais à le sortir du palais. Mais clairement, mec deux. Je me contenterai de prendre ce qu'il contient. En plus, j'ai à peu près 18 kilos d'or, là. J'ai volé tout ce que j'ai pu, même des pattes de lapin. Messieurs. Bienvenue, tout est en ordre. Ou alors Basim meurt et tu joues la fille à la place. Peut-être. Non, je pense pas. Je pense pas, hein. C'est vraiment... L'histoire est censée tourner autour de Basim. J'ai compris que ceci avait beaucoup de valeur pour vous. N'ayez crainte, ce sera sous bonne garde ici. L'inverse serait inacceptable. Nous mènerons notre tâche et reviendrons te voir quand nous serons prêts. Toi aussi, calife, prépare-toi. Ça fait un peu ordre des Templiers, hein, encore, non? Je connais mal le lore d'Assassin's Creed, mais ça y fait penser. Si nous devons le protéger de nous. Ça va être lourd, les masques? Nous... Ouais.
est chaud de foutre et tu dois suer dans le métal. Cela, rien. Et tu n'en diras mot. On dirait du chocolat. Bien compris. Amaury Guichon. Bien sûr. On fait des masques. J'ai la tête. Voilà notre chance. Bon. Ok. C'est quoi la cam? C'est celle-là. Je veux battre la bonne. Bon, il va se passer un truc là. Il va se passer un truc grave. C'est sûr. Quand on va tenter... Le vol du coffre va foirer. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. La première mission dans l'Assassin's Creed, elle foire souvent. Par ici. Tout est calme. Ouais. Un peu trop calme. Je n'aurais jamais imaginé venir ici. Regarde un peu ces arches. Regarde tous ces loots. On pourrait en gratter un morceau. On pourrait gratter un max de loot. Tu as pensé à apporter une pioche, j'espère. Je m'en Franchement, la prochaine je prends fois, tout en entier. Dans un palais. Je peux pas m'accroupir. Donc c'est que là, il se passe un truc. Allez, Basim. On ouvre, on vole, on file. Dans ce coffre, le bouton pour caresser les poules. Oh oui, et les ânes. Ça se passe à Bagdad, Willy. En 800 et quelques. En l'an 800 et quelques. Donne-moi ça. Non. Non. Putain, on a vu des vétubeurs. As-tu la moindre idée de ce qu'ils vont me faire? Pitié, je suis désolé. Comment ça, je suis désolé? Pas du tout. C'est ta faute. Non. Pitié. Tu n'es qu'un sale petit voleur. Oh. Cours. Oui, 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 vite, cours, cours, cours. On a tué son père. Alors qu'en plus il faisait... Franchement, j'ai... Sprint, ok. En vrai, on l'a tué vraiment pour rien, hein, en plus. Genre, il était même pas menaçant. Enfin, si, un peu, mais... T'étais en mode, t'imagines pas ce qu'ils vont me faire à cause de ce que t'as fait, t'sais, genre... Ça aurait pu s'arranger, hein. Moi, je trouve. Personne ne passera. Ouais, ma fuite, elle est un peu nulle. Ah, je me bloque. Bon, attendez, je vais fuir en hauteur. Ce sera plus classe. Attendez, je fuis en hauteur. Si, ça arrive. Attendez. Voilà. Là, c'est mieux. Voilà, là, c'est plus classe, là. Allez! Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a fait? Mince! Il y avait des pigeons, je pensais qu'il y avait un saut de la foi à faire. Attendez, il y a des trucs à voler. De la bouffe. Tiens. Ah, je déconne, c'était une blague. C'est bien. C'est bien, tu le bien. Je l'ai par où? Allez. Elle a... Qu'est-ce qu'elle lui a pris? C'est vrai qu'elle l'a tué facilement un peu. Elle a dû rentrer. Je fuis en hauteur, monte sur le trottoir. Non mais... Il y a un souci. C'est bon, c'est bien. J'aime trop Assassin's Creed pour ce genre de situation de panique.
que j'ai à chaque fois que j'y joue. C'est trop bien. Ah, quitter le conflit. Ah bah j'essaye hein. J'essaye de quitter le conflit, c'est lui qui me veut. Attends. Nihal, tu es là ? Ouais, je pensais que ça ferait ça quand j'ai commencé à escalader. Un joli cadeau pour toi, lâche. Hein, lui, ses potes, ils l'ont pas attendu, il a flippé d'un coup. Coucou. Ça va ? Je ne suis pas là. Non, je ne suis pas là. Allez. Bon, qu'est-ce qui s'est passé là, putain ? En vrai, Nihal ? Ça escalade quickly, hein ? Pourquoi elle l'a tué si facilement ? C'est trop. On pouvait s'enfuir, hein ? C'était pas un garde, il était même pas armé. Punaise. Tout ça pour une version matérialisée, quoi. Non, il y a le DVD. Bah, tu m'étonnes qu'il buguait. Non. En TK clip, ma hauteur. Jim, qu'est-ce que tu veux de moi ? Ah, ça c'est le cauchemar avec le djinn. J'aimerais trop un Assassin's Creed en vue FPS. Alors on pourrait moins escalader, ce serait trop gerbant. Mais qu'est-ce que ce serait immersif là de visiter tout ça en vue FPS. T'as vu comme il fait ? Oh, c'est la meuf qu'on a vue qui était un assassin. Tant mieux. Parce que tu vas devoir m'expliquer ceci. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, ça c'est... Il s'est fait pécho... Il s'est fait pécho avec son CD de porn qui traînait, ça. Dis-moi ce qui s'est passé. Le silence n'est pas ton allié à cet instant. Ce n'est pas ça. Je suis incapable d'expliquer ce que j'ai vu. Un jean taille 36, on pouvait pas rentrer dedans. Cet objet, il m'a fait quelque chose. J'étais dans un autre lieu. J'avais froid. J'étais terrifié. Avant que je puisse réagir, le calife était en train de m'étrangler. Ah, mais c'est lui qui était mis en scène par les sortes d'hologrammes ? C'est un accident. Je n'ai pas voulu... Je voulais simplement vous aider. Il faut qu'on t'emmène loin d'ici. J'ai un bateau sur les quais. Mais elle est où, notre copine ? Quoi ? Non, je ne peux pas partir. Il faut que je trouve Nihal. Réfléchis, Basim. Les gardes du calife recherchent celui qui l'a tué. Un jeune voleur correspondant à ta description. Ils n'auront de cesse. Oui, et puis tout le monde le connaît en plus, Basim. Et lorsqu'ils t'auront trouvé, ce n'est pas en prison qu'ils te jetteront, mais dans une tombe de fortune. Je t'offre une deuxième chance. Saisis-la. Saisis-la. Pardon, j'essaie de faire une grosse voix. Nihal. Saisis-la. Deluish. Ils sont tous en danger. Mais oui, ils sont où ? Ça craint, hein ? Ils sont où nos potes, en fait ? Non, c'est un mauvais scam, merde. Ouais. Oui, non, mais si je me trompe, je mets la cam de Snap Camera avec les filtres, parfois, mais sans que ce soit activé, alors du coup c'est con. Nous ne devons faire preuve d'aucune pitié, t'es compris ? J'ai un peu raté. C'est pas facile d'escalader une planche depuis de l'eau où t'as pas pied.
mes potos tout à l'heure. Eh, le mouton, il était blanc avant. Il est plus classe comme ça. Ça donne trop envie de faire une petite ville comme ça dans Planète Zoo, là. Me font dans rien du tout parce que je suis seule. Punaise, ils ont poussé tout le monde à rentrer chez soi. Du coup, bah en fait, je suis pas très discrète à me balader tout seul. Oh, cinématique. Tout va bien, tout va bien. Quelqu'un atteint pour faire de la laine noire, oui, c'est vrai. Oh non, ils sont tous les deux morts. Non, on s'en doutait. Ils sont tous morts. On n'a pas vu l'exécution. Ah non, elle est... Basim. Ah mais j'ai eu peur. Ne regarde pas. Il y a... Ah non, non, elle est là, elle est là. Rien. Si le calife était encore en vie, tout cela ne serait jamais arrivé. Ah, c'est qu'ils ont tué des habitants. Basim. Si, c'est vrai. C'est une idée d'aller voler ce coffre au palais. Tout ça pour impressionner tes amis. C'est moi qui nous ai sauvés. Mais non, t'as tué un mec sans... Toi, c'était pas nécessaire, hein. Avec moi. Ça nous a pas permis de mieux s'enfuir de le tuer. De ne jamais revoir ton visage. Vite. Je suis d'accord que c'est de sa faute, hein. C'était pas nécessaire. On pouvait juste s'enfuir. Le gars, il était pas armé. Alors que c'est moi qu'on voulait. Oh, ils ont tué les gamins. Oh putain, c'est chaud, ça. On voit pas souvent ça dans des jeux, hein. Non. Ils ont tué les gamins de notre quartier. Ça, c'est des cadavres de gamins, ça. C'est chaud, en vrai. Encore une fois. Ils ont tué le gang d'enfants, ouais. Ah, te voilà. Ils ont tué le petit gamin quand... qui nous avait donné une info et tout. Putain, ça craint. Fouillez-moi toutes les ruelles. Trouvez les voleurs. Rassemblez-les tous. Rassemblez-les tous. Les infidèles. C'est pas ça, Jack. Continuez à chercher. Il n'a pas pu aller loin. Tiens. Il s'enfuit. Ah, te voilà. Non mais c'est vrai que moi après bah je trouve que c'est ça, voilà, ça rajoute à la cruauté des personnages et moi je suis pas du tout voilà, c'est, je trouve ça bien qu'ils mettent ça en scène, c'est juste que c'est rare dans les jeux, c'était un tabou il y a pas si longtemps encore. Halt. Est-ce que c'est lui? Je crois bien. Ah, la meuf assassin, elle va nous tuer. Elle va nous tuer, elle va nous aider. Voilà, j'en ai dit. Debout. Tu vas faire. On a un bateau. Ne réfléchis pas. Le saut de la foi. Le plat de la foi. Oh, joli. Et là, générique de la série Viking. Non, non. Mort par... Mais ouais, non mais vraiment, hein. Avec un plat, tu peux totalement mourir, ouais. Pourquoi il tord ce poil? Parce que c'est mieux hanté, ok. Défi principal accompli. D'accord, merci, va-t'en. Un nouveau jour, une nouvelle épreuve. Je ferais mieux de rentrer. Fracture au mieux. Ouais, mais si la fracture c'est au niveau de ta nuque, tu peux totalement t'éclater. Oh, tu es trop mignon, une gazelle. J'ai compris, clin d'œil, clin d'œil. Ouais,
C'est pour en témoigner à qui il est torse-poil. Hein, je suis en contre-jour. Eh, torse-poil et torse-doux aussi, hein. Ça, c'est pour hanter, ça. Rincer de cyprès, en vrai, ouais. Oh, pardon, je suis ma petite gazelle. Oh, elle est trop mignonne. Oh, oh, punaise. Le désert et la neige. Et un château. Oh, c'est beau. Je vais arrêter la VOD ici, ça me semble parfait. Et torse pas de poil, oui, c'est plus. Effectivement. Effectivement, Guy Cool. C'est vrai. Torse pas de poil, ouais. Je vais arrêter la VOD là, c'est parfait, je vais recommencer une tout de suite après. Bisous la VOD.